bonjour à tous, on espère que vous avez passé des super fêtes de Noël. Dans cette vidéo, on va parler cuisine et justement, entre Noël et Nouvel An, ça va être peut-être des recettes qui vont vous aider à vous alléger, à faire un peu de détox. Et on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne chez nous, comment on mange. Et ce sont des recettes crues, donc je vous en parle juste après. Mais avant, on doit aller nourrir les chats chez les voisins. Ce sont ceux qui ont acheté notre appartement. Et du coup, bah, on doit aller nourrir leurs chats, ils sont partis en vacances et c'est toujours rigolo de retourner dans notre ancien appartement en sachant qu'on en est complètement détaché. Nous revoilà à l'intérieur de la caravane et donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais vous présenter des recettes crues, slow life. L'objectif c'est quoi? C'est que quand on est en caravane, mais c'est quelque chose, c'est dommage qu'on ait mis ça en place depuis qu'on est en caravane et pas avant parce que ça peut se mettre en place n'importe où. C'est des recettes simples, rapides, crues. Pourquoi crues? Parce que c'est meilleur pour la santé et que moins c'est transformé, mieux c'est. Et puis parce que depuis à peu près un an, on a changé notre alimentation. Et on était vraiment dans ce que Thierry Casasnovas appelle l'alimentation mortifère. Et donc depuis qu'on a introduit le jeûne de manière régulière, etc., notre appétit a vraiment diminué. Et on n'a pas maigri pour autant, je vous rassure. C'est juste que du coup maintenant, ce qu'on mange, eh ben, c'est beaucoup plus... On a beaucoup plus d'énergie, on est mieux en fait. Et donc ça passe par des recettes crues, principalement le midi parce que nous on a plus faim le soir. Donc du coup le midi on mange cru ou on ne mange pas selon les jours parce que ça arrive très fréquemment qu'on saute le repas du midi. Et le soir on fait un repas un peu plus consistant. Donc pour des recettes crues de saison, automne-hiver, je vous propose 6 possibilités que j'ai filmé quand je l'ai préparé ces dernières semaines et que je prends enfin le temps de mettre en vidéo. Donc la première idée, elle est toute simple, c'est de prendre un légume cru principal et de juste de le manger comme ça. Donc ça peut être les carottes parce que Janaï adore les carottes, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, ça peut être des carottes, ça peut être de la salade. L'objectif c'est vraiment d'aller du plus simple au plus élaboré entre guillemets, mais toujours en prenant le moins de temps possible. Donc les carottes râpées avec à côté des noix parce que c'est super bon pour la santé, on est en plein dans la saison et vous allez voir que les noix, je les mets très souvent dans mes salades, non seulement ça tient un petit peu au ventre mais en plus c'est hyper riche en oligo-éléments, donc voilà, on en a vraiment besoin dans cette saison, c'est pas pour rien que c'est un fruit d'automne et d'hiver. Donc voilà pour la première idée. La deuxième idée, c'est la salade d'endives. Alors là, il y a plusieurs possibilités. L'endive, c'est la base qu'on coupe en petite lanière. On enlève le cœur parce que c'est amer. Je sais qu'il y en a qui le mangent. Moi, j'aime pas trop le cœur. Donc ensuite, avec les endives, qu'est-ce qu'on met? Ben, on met des noix. On peut mettre des œufs durs. Donc on est plus dans le cru, on rajoute juste de l'œuf. On peut mettre des raisins secs. On peut rajouter un petit peu de mash, Janaï dit beurk. On peut rajouter des tomates, on peut rajouter du comté si on a envie, ou certaines personnes aiment aussi de mettre du bleu, voilà, ou du roquefort, un petit peu de fromage. Voilà, nous les endives, on en mange au moins une à deux fois par semaine et chaque fois je mets des trucs différents dedans. Ce qui est bon, ce qui donne vraiment du goût et qui permet aux enfants d'aimer les endives, c'est la sauce de salade. Et c'est vrai que de mettre... de l'huile de noix par exemple avec du vinaigre soit balsamique soit du vinaigre de framboise, ça adoucit énormément en fait l'endive et bah, Janaï elle le raffole des endives depuis qu'elle est toute petite, donc voilà, ça c'était l'idée numéro 2. L'idée numéro 3, c'est de faire des salades à base de choux chinois. Donc on peut partir sur la même base que la salade d'endive avec des œufs durs, avec des noix ou du raisin sec ou voilà, mais en remplaçant l'endive par du chou chinois. On peut aussi manger du chou chinois avec du maïs. Et là c'est vrai que ça change un petit peu. Mais du coup voilà, le chou chinois et l'endive, c'est quelque chose qui est vraiment de saison et qui permet vraiment d'agrémenter ces salades de manière assez originale et de changer un petit peu les ingrédients qu'on met dedans. Idée numéro 4, j'en reviens à mes carottes. Ce sont les carottes râpées avec des pommes granny râpées.
Donc il faut aimer le sucré salé. Nous, on est très sucré salé. C'est très très bon. Là, la sauce, c'est soit avec un peu de mayonnaise et du vinaigre et un peu d'huile. Soit on peut mettre aussi, si on n'est pas intolérant au laitage ou si on en consomme assez de manière occasionnelle, on peut mettre un petit peu de fromage blanc ou voire un peu de crème fraîche. Voilà, et du coup ça fait une sauce un peu blanche mais assez crémeuse et du coup ça relève encore le goût et c'est super bon. L'idée numéro 5, c'est une salade de mâche cette fois avec des pommes. Donc là, même des pommes classiques, hein, sucrées, pas forcément des granny, parce que les granny c'est acide et c'est très bon avec les carottes râpées. Là, on peut mettre n'importe quel style de pommes, des galas ou voilà. Et on met aussi des cranberries que j'achète en magasin bio. Ça fonctionne aussi avec du raisin sec. Et si on veut, si on peut rajouter encore des noix. Mais voilà, l'idée c'est de changer un petit peu, de pas tout le temps mettre des noix à toutes les sauces non plus, même si c'est super bon pour la santé. Peut-être des amandes concassées, ça peut être super sympa aussi. Voilà, donc ça c'était l'idée numéro 5. Et la dernière, la numéro 6, c'est une recette que j'ai découverte cette année, à base de chou rouge cette fois. Donc le chou rouge, c'est très bon aussi mélangé avec des carottes, avec du maïs. Mais là, c'est quelque chose qui est vraiment une salade super, super pour la saison parce que pleine de vitamines. C'est de mélanger le chou rouge avec de l'orange. Donc il faut pareil, il faut aimer le sucré salé. Mais c'est délicieux avec une petite sauce à la vinaigrette. Et même Janaï, elle a aimé. Donc voilà, ça c'était pour les 6 idées de recettes Moi, crues. d'habitude, qui n'aime pas le chou. Toi, t'aimes pas le chou rouge? Si, t'aimes le chou rouge. J'ai dit le chou. Oui, mais là, c'était une salade de chou rouge. Janaï, la salade de chou rouge, juste du chou rouge, elle le mange sans problème, elle aime trop ça. Mais voilà, donc ça, c'était des idées de recettes slow life, très rapides à faire, crues, simples. Et c'est vrai que depuis qu'on est en caravane, je fais beaucoup plus simple et ça me va mieux parce que j'aime pas cuisiner à la base, mais j'aime bien manger. Bon, donc du coup, je me compliquais souvent la vie. Plus ça va et plus je simplifie. Donc ça, c'est quelques idées que vous pouvez tester chez vous le midi, le soir, en entrée ou comme plat principal. Comme je vous dis, nous, c'est notre plat principal le midi en général. Et puis vous complétez ensuite avec un fruit pour le dessert ou deux fruits, ou enfin voilà. Et voilà, j'espère que vous aurez des idées à me partager dans les commentaires. Comme ça, je pourrai tester et faire une autre petite vidéo sur des recettes crues automne-hiver. Avant de basculer sur les recettes crues d'été qui sont plus courantes parce qu'en général l'été on a plus chaud, les gens ont moins faim donc ils mangent plus facilement des salades crues parce qu'il y a aussi beaucoup d'eau dedans et du coup ça désaltère. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y aura d'autres vidéos de recettes pour par exemple qu'est-ce que je fais pour remplacer le gluten, par exemple des recettes que je fais le soir. Et comment je remplace le gluten. Et voilà, il y aura d'autres. On m'a aussi demandé la recette du pain d'épices qui va arriver très bientôt parce que c'est vraiment la période des fêtes. En attendant, je vous souhaite de pas trop manger, de pas vous donner mal au bide. Et puis je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!